troisième nuit de garde à vue pour l'ancien Premier ministre portugais José Socrates. Le socialiste sera interrogé aujourd'hui encore dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale, corruption et blanchiment d'argent. Des opérations bancaires et des transferts d'argent suspects ont particulièrement interpellé le juge d'instruction du tribunal central de Lisbonne. Selon son avocat, l'intéressé ne s'inquiète pas le moins du monde. Quant à l'actuel chef du gouvernement, il refuse de se prononcer sur cette affaire. Ce qui est important à l'heure actuelle, c'est que le pays a des institutions fortes qui fonctionnent, dit-il. Nous attendrons avec sérénité que la justice fasse son travail pour donner les explications nécessaires et pour que le pays soit parfaitement informé de ce qu'il se passe. Pour que le pays fique à savoir aussi, devidement informé, de ce qui se passe. José Socrates, qui a dirigé le pays entre 2005 et 2011, a été arrêté vendredi. En cause, des sommes élevées transférées sur son compte, mais qui paraissent incompatibles avec les revenus qu'il a déclarés au fisc.